Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne que vous avez une information sans problème. En Belgique là, t'as une grosse tension dans zone Badelma. Zone Bel Air, précisément zone Riel Maya, côté te gagné un gros affrontement qui t'a fait dans les différents groupes armés. Affrontement armé déclenché hier jeudi 26 mai 2022 dans zone Badelma, plus précisément zone Delma 6. Combat ça qui t'a metté face à face, nèg groupe G9 en famille et allié que nous connaissons barbecue, c'est pas Paoli, et avec nèg Riel Maya pour capable contrôler question territoire dans zone ça. Selon habitants, plusieurs victimes qui quitté la caillou après réfugié dans camp selon l'information. Yo. Mais reprise bataille entre groupes armés dans Delma 6, l'ISA s'est redémarré à hier, côté que coalition Genève en famille et alliés et puis équipe Riel Maya. Yo tap toke kon yo, j'en dis en là, en pile habitant, gain victime et tal gain victime dans tous des camps groupes armés. Sa yo, et semble tal gain victime tout dans camp population civile. Donc, selon sa odine, Riel Maya tap tenté récupérer quartier, comme si prend contrôle quartier Delma 6 que barbecue a dirigea toute équipe li pendant que une situation ça lui-même li te créé gouvan panique en bas et ça t'a pral permettre que la vie un petit moment pas de gagner en bas à cause bataille si c'est capable quoi selon sans pile habitant yo même yo dit gagne plusieurs monde qui victime dans camp population civile là et gagne pile bandit tout qui victime dans tout de camp yo selon témoignage divers monde et selon ça présence andi la police qui et même pas de courir pas de kiver un moment pour que eux même capable contre la situation même qu'on est tout depuis quelque temps zone ça au Badelma Delma 18 Riel Maya Robelé Babelé c'est des zones qui abandonné côté ces bandits qui a fait des faits dans zone Sidayo et côté ça te ban pile problème et jusqu'à présent c'est des côtés qui abandonné par rapport avec réalité bandits qui acheté zone ça et j'en dis en tout c'était gros goumé gros coup de balle qui t'a chanté hier dans mitan de groupe armé Genève en famille allié et puis nèg dans Riel Maya. Quitte Port-au-Prince, Bel Air, Badelma, nous avons tombé dans Nord-Ouest Payan, la police qui a travaillé sérieusement dans le département Sila. Oui, dans Nord-Ouest Payan, Jean, nous avons annoncé ça dans le titre journal là, ensemble bilan, nouveau directeur départemental, la police Nord-Ouest, Jean Bruce Murtier, l'a dit déterminé pourquoi Pégan qui voulait établir base dans le département, surtout dans la commune Bassin Bleu. Pour yon premier bilan, yon vient récupérer 12 âmes, 118 moun jeune arrestation. Yon parmi yon chef gang Canaran qui te vint caché dans le département gen 16 bandits qui tombé en babal. En côté déclaration, Jean Bruce Murtil qui c'est nouveau directeur départemental à police Nord-Ouest. Et nous avons des opérations ciblées que nous faisons. Et tout ça nous faisons. En fonction de l'instruction commandant en chef là-bas pour nous combattre la criminalité à l'endévotement. Comme résultat, nous avons, pendant deux mois qui se passent là-haut, nous saisi 12 armes à feu, nous avons interpellé 118 personnes, nous avons saisi 42 motocyclettes et nous avons 3 véhicules sans plaque qui saisi. Nous sommes capables de dire, pendant environ deux mois, opération anti-gang permet que nous réduisons la potentialité gang qui gagne dans le département. Effectif gang a réduit considérablement, il a perdu 26 personnes. Il y a 16 bandits qui sont tombés. Là-dedans, il y a 12, c'est l'affrontement gang à gang. Deux populations lynchées. Deux qui mourent à l'hôpital après avoir été blessés par balle. Il y a 10 bandits qui sont arrêtés. Il y a un deuxième chef gang Cap Noir qui est arrêté dans son délétat. Il y a un chef gang Ofunoa qui est arrêté. Il y a 5 bandits dans la gang La Croix qui est arrêté, La Croix Saint-Joseph. Il y a un bandit Saint-Louis qui a participé dans le kidnapping Pasteur Dolcinea qui est arrêté. Il y a deux bandits qui sont arrêtés matin dans la pendule. Là-dedans, c'est un fille et un garçon. La police a été demandé ça yo avec yon zam lamé yo. Fia, c'est Fia qui est responsable advent pour gang ça. C'est lui-même qui passe pour qu'il dise monsieur Lego vini, qui machine qui a passé, c'est lui-même qui fait advent. Nous avons arrêté lui avec yon lot
gang avec lui. Mais lui-même, il sorti, gang, ça, il sorti, son mercenaire, il sorti Canaan, il a vu quoi des bouquets. Et autour de, nous rejoignons ensemble avec Zamza, M. Rélé Jacques, et Fia lui-même, il Rélé Jenica Aurelius, à la Chakala. C'est lui-même qui sait, selon information que le Banou, il a concubine, deuxième chef gang Pandua. C'est lui-même qui est toujours déplacé pour qu'il fait advenir et regarder comment la rue a été avant M. Odessa. En gros, c'est ça que nous gagnons comme bilan. Voilà d'un côté directeur police à Nord-Ouest, Jean-Bruce Miantil, qui t'a présenté bilan opération de la police menée dans le département, côté que, il y a un pile d'individus qui tombent en bas de la police, il y a un pile qui joue une arrestation, et qui divers matériels, surtout armes, gros calibre qui saisit, bon côté la police, dans le département Nord-Ouest, payant, j'en dis en directeur police Nord-Ouest, Jean-Bruce Miantil. Concernant situation toujours, j'en dis-il d'aller assez vert, par rapport avec une bataille qui dégaine dans zone Badelma, Neg Riel Maya, Neg Genef en famille, Delma 6, mais pas seulement habitant dans zone qui t'a pété couri, mais qui a pile élève tout dans le lycée Daniel Fignolé. Daniel Fignolé, c'est presque dans. Oui. On dit dans 18. Maintenant, 18, leur vire dans le coup pour aller tomber. Cafou, comment il y a Cafou? Cafou payant. C'est oui, pas Cafou payant. Cafou payant parce que dans zone ça, je change mon collier. Et ça veut dire, mais tout en dans là, élève yo, c'est couri, c'est pété couri, situation li, t'es très compliqué. Et l'île pas très difficile c'est pour l'école fonctionner en bas ça c'est parce que à cause bandit qui a des problème et bandit c'est vrai dans l'école qui est ouverte dans zone côté bandit au contrôle ça veut dire jeudi là est-ce que garantie pour que tout le monde qui prend l'école soit dans le lycée Daniel Fignolé lycée Pétion l'autre côté encore qui a un problème là est-ce que gain garantie là parce que bandit toujours atteint et à n'importe moment balle capable à péter et j'ai un des avant-hier dans l'émission pour compte et on dit cérémonie qu'elle fait en bas dans l'école nationale Pérouan côté ministère par là pour lancer l'école là en bas est-ce qui garantie qui gagne pour que élève ça yo tout le monde ça yo capable gain garantie après l'école. École en rien pas privé yo et l'aide qu'on est avec monsieur Sayo en bas pas gain ken garantie qu'il est capable gain dérapage oui pas ken garantie j'en ai regardé image là si mon dernier fignolé ça cap courir là pas besoin de qui peut être gros jeune monde alors gros monde comprendre et qui dira pour si mon m'a regardé dans l'école Pérou avec l'école nationale application Matisse en tout cas son situation qui peut être très compliquée et mon a demandé avec mon chez l'état vraiment prend disposition pas vous si mon la boucherie et que c'est eux-mêmes qui prennent disposition pour permettre que l'école capable de fonctionner comme ça doit. Insécurité de tous côtés. Et je regarde une petite vidéo tout. Je suis dans le nord-est. Si je ne me trompe pas, côté gagné, même j'en ai ici avec gros bout de Samnaméo, gagné gros base dans divers départements de bord là. Côté monsieur, il y a un problème sérieusement là. Insécurité à qui bat l'école. Oui, qui bat l'école tout côté net. Dans différents grands noirs là, presque oui, zone bassin bleu. Voilà, zone bassin bleu. Et côté que je dire là c'est même situation nèg a fait vidéo avec gros bout d'examen mais autour c'est situation difficile on aller avec l'autre information dans journal méga matin l'autre information dans journal là nous praler dans l'autre dossier gain gouvernement Ariel Henry qui lancé hier jeudi un programme multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale groupe vulnérable qui a coûté plus passer 3 milliards gourdes plusieurs institutions impliquées dans programme ça tant qu'FAES qui a gain pour alimenter restaurant communautaire et puis publier kit alimentaire à voyer et transfert l'argent bas 50 000 familles à travers programme ça pour gain travail route intensité d'œuvre qui a créé plus passé 90 000 jobs. C'est ministère TPTC, environnement, ministère sport et la tri qui a pris mission ça. D'après ministère affaires sociales, la route de Pierre Rico qui est dans le micro Jean-Philippe Massia. Depuis le mois de décembre dernier, le gouvernement République là, à travers le premier ministre, qui prend engagement pour le mettre en place un programme social qui pour soulager la misère, mon équipe pauvre, qui a souffert avec crise insécurité, avec gangou. Et bien, maintenant, nous avons un privilège dans nos gouvernements pour moins annoncer que le programme là a démarré. Avec un financement de trésor public qui est inscrit dans le budget exercice 2021-2022, pour un montant plus que 3 milliards de gouttes, ministère affaires sociales et travail
un privilège pour coordonner l'activité programme ça. Mais comme nous dit déjà, son programme multisectoriel, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on ensemble l'autre ministère avec l'autre institution qui est impliquée dans la mise en œuvre du projet. Nous avons par exemple FAES, Fonds d'assistance économique et sociale, qui va recevoir une partie d'un fonds qui est alloué pour le programme ça, pour continuer à activer le programme qui était initié déjà, qui s'est bourré de manger. Tant coup, alimenter plus que 300 restaurants communautaires dans tout le pays, qui a permis plus que 100 000 personnes bénéficier d'un plat chaud par jour, distribuer chaque mois. Sur tout exercice là, sur tout reste exercice là, plus que 100 000 paniers solidarité, ça veut dire les kits alimentaires là, sur tout pays. Vous voyez transférer l'argent, 3 000 gouttes, by 50 000 familles, pendant une période de 3 mois. Et transfert ça, yo, je ne vais pas le faire n'importe qui, Jean. C'est à partir d'une base de données qui constitue dans le ministère des Affaires sociales, qui nous est le CIMAS, que tout le monde, bénéficiaire ça, je vais l'identifier. Alice a dénoncé le gouvernement en place qui fait un seul secteur privé et puis international là, pour tout petit, petit peuple qui a fait face à toute qualité de problèmes. Tant qu'on est sécurité, Gangou, la Vichère, la Trier, ou de l'édarissement, lancé un appel à la population pour mettre tête ensemble pour empêcher le groupe de continuer à violer droit. Association patronale désapprouvée face au gouvernement. Le gouvernement décide de monter taxe dans le budget 21-22 ans. Dans une lettre, vous voyez le ministre financier qui c'est Michel Patrick Boisvert. Patron a demandé au gouvernement faire un petit capé sur le projet loi financière qui est publié. Dans la date qui était 16 mai passé, en attendant une possibilité chita avec le gouvernement pour discuter sous de ceci là. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti, ça les décisions qui prend pour lever grève. Griffier au CNH a souhaité une solution durable pour grève la pas recommencer. Camille Oxyus a rappelé ces grèves, ça a toujours un gros impact sous détenu, ça qui gonfle les chiffres, phénomène détention préventive prolongée. Défenseur de droits humains, Camille Oxyus a fait déclaration sur ça pendant que l'État a lancé deux jours d'information enfin, avec plusieurs dizaines de policiers sous droit prisonnier au CNH. Le programme ça, plus que 25 000 bons scolaires dans le cadre d'entrée académique 2022-2023, la permet tout nous renforcer, pas qu'automobile qu'on va une dignité pour qu'à assurer transport élève. Yo. Le programme prévoit pour permettre que le ministère ait acheté 50 autobus en plus. Et voilà, ça c'est déclaration ministre Affaires sociales et travail là. Puis alors Rodney Pierre Rico, mais n'a pas fini avec Rodney Pierre Rico, mais on attendait que Bandino Bal n'a pas attendu la détonation qu'elle n'a pas attendu dans le moment que M. Tapalé, hein. T'es un gros mouvement devant et bureau PM dans la Missoula, mais n'a pas fini avec son mouvement tout à l'heure concernant le journal là. Mais en tout cas, j'étais avec Rodney Pierre Rico, une autre côté ministre Affaires sociales et travail là, fait qu'on est gouvernement prêt à le Kimbe, promesse que t'es fait et chauffeur pour jouer une subvention ciblée ou t'es promettre à travers yon accord. Il a réfléchi tout pour joindre une stratégie pour courir ouvrier factorio. Il a pris à parler avec un syndicat textilio pour atteindre l'objectif. Le ministre Affaires sociales et travail n'a pas garanti pas de gagner dans le programme. Chaque bénéficiaire bien identifié côté tout document à passer. Non, mais écoutez, des comptes. En écoutant l'autre fois, ministre Affaires sociales et travail, Rodney Pierre Rico pour plus de détails. Dans le cadre protocole d'accord que le ministère a signé, que le gouvernement a signé avec le syndicat transport. Dans le mois de décembre, le gouvernement a pris un engagement pour te supporter le secteur, pour secteur ça, dans le cadre d'ajustement produits pétroliers qui était fait malgré donc une situation difficile, malgré prix produits pétroliers continue à monter sur le marché international là, à cause de crise qui gagnait entre l'Ukraine avec la Russie. Eh bien, le gouvernement tournait, trouvait dans une situation pour lui respecter mol, c'est-à-dire montrer à secteur ça qu'il voulait respecter l'engagement. Peut-être ça, nous avons gagné pour nous initier un programme pilote de subvention ciblée. J'en ai écrit dans le protocole d'accord avec le syndicat et le ministère commerce qui a gagné pour gérer la question. Le ministère des Affaires sociales et le ministère économie et finance travaillent même ensemble pour les 40 effectifs d'accompagnement social de promettre ouvriers, particulièrement ouvriers qui travaillent dans la factory. Pour qu'on y a, n'a pas gardé à examen syndicalisation qui est plus bon moyen pour nous joindre pour programme ça qui a démarré précis. Sans nous pas oublier artisan yo, qui c'est un secteur qui est plus victime des crises d'insécurité que le pays a traversé. À travers ONAT, programme n'a pour supporter plus que 5000 artisans sur une période de 3 mois. Comme nous toujours dit, le gouvernement pas quoi seulement dans l'assistanat, il pensait
C'est bon genre programme développement à gros investissement qui pour faire payer à sortir dans niveau pauvreté extrême qu'il trouvait là. En attendant que nous continuions chita parler, Yuna Claude, en tant que haïtien responsable, sous plus bon moyen pour nous retourner dans la stabilité institutionnelle yo, qui pour permettre bon plan développement mettre en œuvre et exécuter dans le pays là, les pensées, il était important pour intervenir et permettre plus que 4 millions de monde qui vivent dans l'insécurité alimentaire journée jodia à plus que 50% de la population qui vivent dans la pauvreté extrême te joindre un soulagement. N'a pas rappelé pour tout le monde. Programme ça a pas un programme oui. C'est un programme côté tout bénéficiaire a très clairement identifié. Faut que vous ayez pièce d'identité et faut que vous ayez un numéro de téléphone qui vous permet de transférer au rivé joindre. Faut que nous fait à ce que programme ça permette de retraçabilité à reddition de compte. Ministère Affaires sociales cap coordonné avec assuré suivi programme non défini clairement aspect ça dans protocole d'accord ici avec toute institution qui pourra mettre programme en œuvre. De partager avec vous un canevas qui vous permet de préparer rapport rapide avec bilan activité tout de suite que programme n'a pas réalisé et dossier ça pour transférer directement dans le ministère des Finances avec économie et finance qui lui-même a transmis un coup de compte pour audit. De mettre en place tout une équipe suivie avec évaluation qui vous permet que nous gagnions information en temps réel sur qui gens activités à implémenter par différents ministères. Voilà, déclaration ministre Affaires sociales et travail, Rodney Pierre Rico, qui t'a parlé concernant le programme, ça, qui l'État là, après le métier sous pied, pour capable, on dit, accompagner ça qui pi mal, ça qui pi fait bio, j'ai ministre en disant, c'est pas un programme, oui, c'est-à-dire l'État prend toute disposition pour permettre que le programme ça bien passé. Jusqu'à présent, il y a un monde qui a critiqué défunt ancien président Jovenel Moïse, dans qui sont 3000 piastres, qu'il t'a baillé là, on comprend? Jusqu'à présent, il y a un monde qui a été pris, on prend pièce, jusqu'à ce que au président mourir, il va pas jamais 3000 gouttes dedans. Pas jamais 3000 gouttes dedans, même sur compte. En tout cas, puis on a souhaité avec le ministre Pierre Rico que le programme ça vraiment, c'est pas pour pas monter sous nos petits monde, pour descendre sous nos grands monde. Parce qu'une fois, c'est ça, on est ici à quoi ici fait. On a toujours été sous même dossier, ça gagne directeur général Fonds économique et social là Paul Henri Voltaire qui fait qu'on est programme dans plus étant dans plus étant ni dans collectivité en tant que commune avec section communale yo DG fait ça fait qu'on est à toute disposition pour programme dans toucher monde qui n'a nécessité yo, tout bon en côté Paul Henri Voltaire dans micro Jean-Philippe Massé. Je crois que le ministre des Affaires sociales a tout dit. Effectivement, depuis tantôt 4 mois nous tap travail sur le document de projet, tant au ministère des Affaires et qu'au ministère qu'au FAES, et que c'est un programme d'assistance sociale là qui va étendre au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes, des départements et des sections communales. Maître d'ouvrage là, c'est le ministère des Affaires sociales. Le maître d'ouvrage délégué n'est autre que le FAES. Et c'est ce qui explique notre présence ici, aux côtés de notre ministre Pierre Rico Audenay. Rôle fondamental FAES, c'est travailler à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables de la société. FAES, c'est le bras, nous t'a dit, prolongé de l'État pour combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce n'est pas par hasard que FAES a impliqué dans le programme. Non. Depuis mon arrivée à la tête de l'institution, nous avons différentes activités qui nous dirigeaient dans des quartiers populaires, dans les ghettos, et même dans les villes, dans certaines villes de province. Et à travers le programme, ça encore, FAES, à présent, dans la distribution panier solidarité, transfert monétaire, les cantines mobiles et à l'approvisionnement de 171 restaurants communautaires. Donc, en gros, ces types d'informations, ça, vous devez partager avec nous.
Et voilà, ça c'est directeur général Fonds économique et acte social, Paul Henri Voltaire. Mais n'a pas rappelé, avant-hier, tu as un prestataire restaurant communautaire qui était planté piquature devant local Faes. Côté, yo tape dénoncé certes de Gilbert Buteau, yo dit qu'il est responsable programme restaurant communautaire. Yo. Depuis mois février, yo pas jamais alimenté restaurant communautaire yo, et yo dénoncé tout Gilbert Buteau ça selon protestataire qui s'est prestataire restaurant communautaire. Yo dit qu'il a fait Gabja Beniscati en dedans un programme si là j'en t'ai dit là pendant que on dit différents autorités au tabac conférence dans bureau PM nan nan Musso hier dans Delma 60 mais situation était très compliquée mais devant bureau PM nan côté gagné divers militants qui étaient planté piquature devant local PM nan pendant conférence lancement programme ça t'a fait en dans bureau premier ministre nan Musso j'en dit là situation tête chargée t'a déroulé dans rentrée en côté mais ministre t'a gagné difficulté pour entrer dans espace nan dans l'espace résidence officielle PM non militaire qui était signé encore en septembre non t'a manifesté contre le ministre Ariel Henry il dit qu'il refusait appliquer accord en septembre non qui prévoit changement collectivité yo militant politique yo l'enjeu doit être sous chef gouvernement yo dit qu'il jusqu'à présent pas fait rien pour soulager insécurité ça qui a fini à cas peuple haïtien écoutez divers militants dans micro Jean-Philippe Massé hein. Nous voulons manifester, nous disons que pour quoi appliquer pour collectivité territoriale, déléguer et vice-déléguer. Et bien, Ariel Henry, voyons un paquet de l'aide, nous assassinons nous, puis nous pour nous. Même si l'MTA a quand même dit pour quoi appliquer, et bien, Ariel, c'est perdu de sécurité pour t'assassiner à Kaya. Mais nous disons que, Ariel, ça te passe, si ça, si tu es capable de signer sous nous là, ou vous ne pouvez pas dire que sous nous, ça vous fait dire que vous êtes assassiné, je veux le Moïse Lavé. Parce que nous-mêmes, si nous sommes d'accord, nous sommes 77 fois, nous ne pouvons pas quitter à quoi pour qu'il a quoi ou plutôt mourir pour ce pouvoir à quoi nous appliquer à la lettre pour collectivité des gars magistrat ou est-ce que vous plaît je tiens pour être stagiaire à 50 dollars car on a fait 300 dollars mais je tiens pour être ça nous dit pas la salle du tableau des faits sociaux de quoi des bouquets avec cette sécurité ou à rien en livre ou pas qu'à mettre mais la salle de l'univers privatique mais je tiens nous tiens rien pas à la continuité non notre commission nous annonce des jours mobilisation sitting pour nous demander à rien Henri pour appliquer accord en septembre 2021. Mais je dis, les nous garder, Ariel Henry, qui a 10 mois là, sous notre tête primatique, c'est plus misère, c'est plus grand goût, c'est plus chômage. Je dis à massacre sous mon la plaine, côté Matéli, à marcher bouler l'argent, Petro Caribea. Je dis à tout le monde, c'est domaine, à passer misère. En plus, tout le sénateur, qui a débité, qui a gros hôtel, gros magasin, c'est domaine. Et maintenant, c'est ça, nous, Ariel Henry voye ba nou gaz demain matin rendez-vous à cassé bonnet 1er juin si Ariel Henry va changer mairie de Port-au-Prince mairie Pétionville mairie Delma n'a bloqué pays là jusqu'à voilà ça c'est voix diverses militants protestataires
Jean Dylan qui était piquette devant un dit bureau, mais résidence officielle PM nan Musso. Côté là, yo a exigé avec PM Ariel Henry. Alors, son ensemble d'acteurs, si ensemble d'organisations de base, si a été accord en septembre, non, qui t'a demandé avec PM nan pour mettre en application accord en septembre, que même été signé, et fait faut tout pour matin sécurité à qui gagne dans pays. Pour parler ensemble, parti et organisation progressiste, on a parlé de Younadeo qui c'est Edouard Saint-Fleur, une émissaire de mouvement protestation, ça a critiqué le gouvernement, il dit qu'il paraît impuissant devant Gangyo, qui continue à prendre vitesse en de société haïtienne, non? Edouard Saint-Fleur, ben, premier ministre Ariel Henry jusqu'à 1er juin pour résoudre le problème de sécurité, sinon, il a obligé de démissionner. Protestateur dénoncé Ariel Henry, qui c'est chef gouvernement, chef CSPN, non? Qui était abjoué pour voir à quel certain complice pour le fermer le sous-sol, peuple haïtien. Saint-Fleur Edouard croit aucune élection pas possible dans le contexte socio-économique difficile. Pays à vivre, dernier jour, s'il a eu. En côté, il n'a pas parole ensemble, parti avec l'organisation progressiste, Saint-Fleur Edouard. Et nous sommes présents devant le local Ariel Henry, parce que par rapport à la question de sécurité qui continue à valer le terrain, donc personne ne peut pas épargner dans le pays. Eh bien, Ariel Henry, en tant que chef CSPN, avec toute l'équipe, il y a environ 10 à 11 mois dans ce pays. Nous avons toujours pensé que Ariel Henry n'a pas résolu le problème de sécurité. Mais par rapport à la sécurité, c'est comme si le pays a. Pas de premier ministre, pas de ministre de justice, pas de ministre intérieur, pas de ministre de défense, pas de directeur intérieur. Ça veut dire que ça, son pays qui peut diriger, qui peut gouverner. Eh bien, je dis, nous, venons à Ariel Henry, un premier ultimatum, pour nous dire à Ariel Henry, à partir du 1er juin, si la question de sécurité n'a pas résolu, mobilisation générale dans tout pays, pour monter à Ariel Henry, plier bagages, plier livres, plier rades, pour le vider les liens. Parce que je dis à nous, Ariel Henry a viré en haut. Donc, la passe tout le monde dans la bêtise. Donc, raison de faire la passe pour la bêtise, je ne sais dis là, c'est parce que il y a des animaux politiques qui rencontrent. C'est Yon Bourik qui représente l'ensemble des partis politiques de gauche, avec Yon Cheval qui a tout comme Pretro-Caribé Anamel qui représente les partis politiques de droite. Et bien, Bourik s'est croisé avec Cheval là, il a naissance avec Yon Millet qui n'a pas reproduit. Une fois que Millet n'a pas reproduit, eh bien, l'apka les fatras, l'apka les mouches, l'apka les insécurités, l'apka les kidnappings, l'apka les gangous, l'apka les lâchers, eh bien, l'apka les pays. Eh bien, je ne veux dire, pour nous débarrasser pays des animaux qui ne pas reproduire, eh bien, c'est un complot qui doit être fait autour de la jeunesse haïtienne pour que nous venions avec un autre leadership. Un autre leadership qui prend le capable. Remettre le pays à chaîner la paix, nous essayons en pile jusqu'à ce que nous arrivions là. Donc, effectivement, nous essayons en pile, mais à chaque fois, nous essayons une oligarchie politique et qui représente droite et gauche, qui toujours prend la bataille jeunesse en otage, qui la cause que. À chaque fois qu'on parle de questions système, eh bien, ni parti politique de gauche, ça y a porté le même discours, changer le système avec nous. Mais là, là pour nous changer le système, non, toujours un couple asymptote oblique qui fait, qui cause, eh bien, tout le monde perdu, pays a perdu. Eh bien, je dis, en plus, le monde qui a menté l'élection, n'a pas dit que ça y a, c'est démagogue, parce que pays n'a pas de problème d'élection. Pays a des problèmes, résoudre question insécurité pour commerçants, yo, qu'à à l'acheter pour revendre. Parce que dans un pays, côté que, et moun qui n'a petit et moyen entreprise, si machin, pas qu'à vaquer avec activité commerciale, yo, ça vient une cause, pas de l'argent en circulation. Et lorsque pas de commerce en circulation, c'est normal, je dis, pour nous trouver nous dans une situation, côté nous besoin environ 120 à 125 gouttes. Pour $1 américain, Parti démocrate institutionnaliste dénonce le gouvernement qui fait un sel avec le secteur privé et puis international là pour tout petit peuple qui a fait face à toute qualité problème. T'as quoi insécurité, grand coup, la vie chère, la trier, ou de l'édarisme, d'amsou, lancer un appel par la population pour mettre tête ensemble pour empêcher groupe monde de continuer à violer les droits. En côté déclaration de l'ami Josué Bellamou. Faut que peuple haïtien lève tête li, garde en l'air pour nous identifier moun. Kap mache bay zam, kap mache van katouche nan katye popile yo, pou kontinye tue frè avèk sè yo. Nou rete selman pou mache pran yo. Mache pran vagabon kap mache fè zak malonèt sa yo, ebyen lè sa, nou pal komanse wè ki jan van liderasyon, pal soufle sou nou, Ariel Henry, avèk tout kwa goup la, ki kontinye mare kombinezon sou do pep la.
Nous tous songeons semaine passée, hein? Yo te vle monter gaz là sous le peuple là. Ariel Henry avec un paquet corrompu en des secteurs privés, hein? Qui mettait tête yo comme moun seulement qui doit contrôler tout bagay. Ou pas dire c'est sérieux que tes petites de saline. Sous point ça, n'a souligné incompétence 3 ministres commerce là qui te mettait en sécurité dehors, qui te dit clairement que gaz pas de vendre dans galon. Mais tout bagay t'a fait en bas j'ai moun en bas pompio. Gazoline était toujours à vendre dans galon. L'État te dit tout. Pas de quoi pour acheter gaz. C'était appel d'offres qui était lancé. Nous devons comprendre qui est famille, qui est mafia, qui est ami. Il y a un appel d'offres là qui pour soucier. Donc les populations ont des problèmes de gaz. Les nègres voulaient inventer problème de gaz pour aller jouer bingo, pour aller acheter à Miami. Nous même pour qu'on ait qui est pour aller. Nous dit docteur Pierre Marie-Ariel Henry, quand on a été payé comme celle qu'on chante, n'a pas rappelé la population que c'est un tweet qui te mette à Ariel Henry, premier ministre, il va même conduire ça là. Pédéi a demandé équipe pour groupe là, avec tout le reste avec Ariel Henry, pour combien de temps il a kidnappé le pouvoir peuple là. Ariel Henry, avec tout gouvernement central là, continue à faire complot pour dollars capables de continuer à trembler le bout de là. Pour plus de monde à manger, pour plus de monde dans la misère, pour plus de monde dans le chômage, le gouvernement docteur a kidnappé la Banque centrale pour se prêter à prêter gob à gauche, à droite, pour être capable de financer les bandits. L'objectif de ça, c'est pour tout le petit peuple là, dans un niveau d'inflation sans pareil, pour petit à petit peuple là, continuer à prendre humiliation, en bas de l'immigration dans la République dominicaine. C'est plein de gens pour finir avec le pays. Nous disons, peuple haïtien, réveillez-vous parce que sous le gros complot. Après toute analyse nous finissons faire là, nous proposons à toute jeune fille, à toute jeune garçon qui est honnête, Haïti pour l'autre bord de l'eau, pour venir chita ensemble, pour nous joindre une formule, pour nous empêcher qu'on colonne, continuer à faire ingérence dans le pays. L'autre point d'actualité à la Commission nationale marché public yo, qui organise la deuxième conférence débat sur marché public qui fête chaque dernier jeudi dans le mois. Conférence débat s'est déroulée en baptême vers des achats publics durables en Haïti, défis et perspectives. Coordonnateur général CNMP en Florian Jean-Marie expliqué série conférence yo, c'est pour permettre au peuple haïtien de comprendre l'importance marché public yo et puis gagner plus d'informations sur ce qui a passé dans l'économie haïtienne. En côté coordonnateur marché public qui c'est Florian Jean-Marie Namiko Alex Gauthier. Nous constatons que il y a un déficit de communication en termes de marché public. Donc au niveau de CNMP, nous avons fait une campagne de communication pour permettre que le maximum de monde possible capable d'arriver, qu'on ait qui ça y aurait les marchés publics. Donc son campagne nous fait environ pendant 3 ans. Nous fait des spots publicitaires, nous fait des séances de formation, nous fait des séminaires, nous fait des conférences, et nous fait une formation à tout acteur qui intervient dans la chaîne passation. Nous songe nous faire 2 ou 3 séances de formation même pour les journalistes et la presse, parler, écrit, télévisé. Nous fait pour les entrepreneurs, nous fait pour la société civile là. Et maintenant, nous devons constater tout que mon université a son monde qui est assez intéressant pour permettre que vulgarisation et marché public a fait et au mieux. C'est ça que fait CNMP signer un partenariat avec l'Université d'État d'Haïti pour nous mettre en chair en marché public dans l'université. Donc, nous commençons une expérience pilote avec INAGUE, côté que nous déléguons des spécialistes en marché public à l'enseigner marché public même dans INAGUE. Nous avons expérience pilote là-tout avec faculté de droit, côté nous avons professeur qui a enseigné. L'objectif là, c'est faire en sorte que toute faculté, y compris faculté qui relève de UEHU, y compris faculté privée, yo, donc tout le monde arrivé à un moment gagner un cours sur marché public. Mais nous connaissons tout que il y a des thématiques qui pointent dans le domaine du marché public là qui peuvent jamais faire partie de Kissus et Kousayo. Donc c'est ça que fait CNMP jugé bon pour nous créer activité ça nous relier rendez-vous du mois. Dans le rendez-vous du mois, une thématique qui intéresse la vie nationale, qui intéresse tout acteur qui peut intervenir dans la chaîne passation de marché là. Donc on a développé. Donc, je dis à ce deuxième rencontre-là, chaque mois, chaque dernier jeudi dans le mois, pour une rencontre comme ça, côté une thématique qui a développé avec un spécialiste dans le domaine-là. Et selon la thématique qui a développé, on a connu qui ministère, on a invité pour capable de venir partager l'expérience en termes de marché public. Donc, ça, c'est au but. Thématique, je dis à c'était achat durable. Et si nous avons suivi bien, nous avons vu que l'intervention que tu as faite, c'est comment nous sommes capables d'encourager autorité contractante, à savoir ministère, organisme autonome, les gens ont un marché
qui a passé, ça veut dire si vous avez un service qui a besoin, si vous construction qui a fait, si vous consultation qui a pris en main en particulier, que ça capable de faire de manière à ce que l'État, comme je dis en résumé, que le projet ça est capable de pérer. Donc ça va faire qu'on y a, c'est pour bagarre au fin faire qu'on y a là, et puis deux trois jours après, il n'y a pas retracé et qui pas duré vraiment. Donc, on a parlé d'achat durable. Non seulement on a tenu compte des aspects économiques, ça veut dire qu'on a produit au meilleur prix et avec de bonnes qualités. Des aspects environnementaux, parce que les produits à utiliser, c'est des produits qui sont biodégradables. Des aspects sociaux, pour ce groupe de monde qui vient avec les projets à l'île pour qu'on aller, mais la communauté côté le Vinbaï et exécuter le projet, la communauté est capable de bénéficier des projets. Donc, nous participer dans la vie économique. Économiste Kesnia Farine dans l'intervention critiquée autorité qui concentre toute économie pays dans quatre départements, parmi l'Ouest, Nord, la Tibonite, Axid. Économiste en quoi il y a une nécessité pour l'État réviser la façon de dépenser l'argent et puis investir dans le pays. En côté Kesnia Farine, dans le micro Alix Gauthier. C'est la pauvreté modérée, donc si vous ne gagnez pas 2 fois 125 gouttes dans le poche par jour, ou dans la situation de pauvreté, et nous allons encore. Combien 80% dans le Grand Est, 81% dans le Nord-Ouest, chiffre de 2012, photo ça parle à moi d'accord. On avance encore. Ça, c'est Nations Unies qui récemment, lui-même en 2020, qui font photographie, donc 2012-2020, ils mettaient la jour pour nous. Donc, prochain slide, vous allez voir comment 65 communes prioritaires en termes d'urgence humanitaire, 65 communes en situation d'urgence humanitaire. Conseil de communes qui en 2012 pas dans situation ça, si on a checké sud là pour nous, que lui il est dans le sud-est là, que lui il est dans le sud, un paquet de communes qui dans situation ça. Mais photographie ça a été pris en 2020. On m'a quitté ça, on mettait là tout à l'heure. On peut aller voir qu'en 2020, nous allons avoir en valeur absolue. Regardez le département de l'Ouest et vous allez comprendre certaines choses. Combien de personnes en situation d'urgence humanitaire? Combien? Plus de 549 000, 163 000 dans l'Altibonite. Donc, suivez-moi, comme on a dit l'autre, nous sommes capables de voir l'insécurité gagne, on sait que deux zones côté gagnent plus de pauvreté. La pauvreté et l'insécurité, le marché de pair. C'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une politique pour combattre ce genre de choses. Les Nations Unies nous ont dit qu'il y a 4,5 millions de situation d'urgence humanitaire. Ils vont le dégager à travers le monde pour aller chercher pour à peu près 1,3 million de monde. Donc, si vous faites 4,5 + 1,5, ou reste 3 millions, dit qu'ils quittent au bon nom. Pour être capable de retirer les gens de la pauvreté à travers des politiques, bien sûr, de lutte contre la pauvreté. Et ça coûtait à peu près 245 millions de dollars américains. Donc, comment trouver ces montants pour avancer avec tout ça? Et comme je dis, nous avons fait un petit bagage territoire, nous avons fait un bagage géographique, et pour que pour nous-mêmes, les commissaires au niveau de CNMP, qui comprennent l'intérêt ça, nous pouvons aller loin encore, parce que nous faisons une bonne corrélation, nous faisons une bonne donnée, nous ne pouvons pas prendre données. À savoir Nations Unies qui montrent la pauvreté, on a pris des chiffres également pour nous regarder ce qui a passé. On prend là le système bancaire haïtien. Après-midi, à 4h de l'après-midi, le FMI bancaire, si on ramasse 100 gouttes dans le système bancaire là, nous prenons le département de l'Ouest là, pour ne pas dire la zone métropolitaine de Port-au-Prince, parce que 8e section, Tigouave, pas de banque, pas vrai, sous frontière là, qui est dans l'Ouest là, pas de banque. Et bien, nous prenons plus de 80 gouttes, 81 gouttes à prêter dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, sous 100 gouttes qui connectent. 81 gouttes. Pour gagner un 7 gouttes qui va monter, pas même 7 parce que le BC c'est aussi au niveau du département du Nord. Pour avoir une petite bataille qui a fait entre la Tibonite avec le département du Sud. Donc, on a additionné sur 100 gouttes là, 4 départements ça qui sont peuplés. Et c'est 4 départements ça qui vont collecter 95 sur 100 gouttes dans le système bancaire haïtien. Dans la simple, chien parle quatre ailleurs, chien aller côté boucher à E. Donc si c'est là de mettre tout comme pays dans 4 départements ça, donc nous pour qui ça que nous venons gonfler dans 4 départements ça, et nous les donnons bien spécifiques, et nous voyons c'est là que le système bancaire lui-même a collecté l'argent. Donc là on parle de tout le reste pays pour qu'on comprenne ça. Mais nous parlons de banque, on regarde ça qui a passé qu'on y a au niveau de coopérative, qui est le prochain slide. Vous allez voir à peu près la même chose. Le département de l'Antibonite, le département de l'Ouest, le département du Nord, et c'est là que Pigo comme coopérative peut aller. Donc les fonds sont en quelque sorte concentrés dans ces 4 départements. Et c'est là où il y a plus tumulte, plus problème, plus insécurité en quelque sorte. Donc voilà comment nous concentrer l'argent et nous suivre et qui pose des problèmes. Donc cette politique publique que nous avons parlé tout à l'heure, que le commande public, que le finance public, il faut qu'il devait, il devait y avoir beaucoup plus de projets à l'extérieur de gros centres pour faire nous gagner intérêt et rester de l'autre côté.
Mais nous voyons l'histoire très bien. On suit pour nous comprendre que la pauvreté est multidimensionnelle. Donc au niveau de le CNMP, au niveau de la commande publique, on ne peut pas se concentrer exclusivement sur les projets économiques, sur les investissements. Parce que la pauvreté, une variable santé, est fondamentale. D'ailleurs, la crise que nous vivons actuellement, ce n'est pas une crise économique. Ou du moins, c'est une économique, c'était d'abord une crise sanitaire causée par Covid. C'est parce que nous pensons que la santé, ce n'est pas un investissement de lieu. Ce n'est pas Haïti simplement, le reste du monde. Et bien, le fait que nous ne pensions pas ça, et bien, voilà que le problème santé a fermé l'économie mondiale là, en 2020 et qui pose tous les problèmes que nous avons. Ensuite, deuxième variable, l'éducation. Donc, nous allons effectivement, nous prêts à aller là dans diverses villes, provinces avec correspondants New York. Nous prêts à aller dans Nip, nous prêts à aller dans Sud, nous prêts à aller dans la Tibonite, nous prêts à aller dans Nord, puisque c'est là, yo. Nous gagnons tout correspondants New York. On a le cas des noms. On a le côté avec, est-ce comment ça est dans Okaï avec Jean-Vanel Soliman. Et puis, regardez comment ça est dans Titre qui vient la Tibonite, dans Saint-Marc, et puis dans Gonaïve, et puis Cap-Haïtien. Avec différents correspondants pour matin dans le cadre de la rubrique Ronde Provinciaux qui s'est dernier sorti pour ce maintenant et pour nous connaître comment ça y est pour ce pour matin là. Est-ce que tout le monde en forme dans la ville province nous on va aller avec on regarde avec Désir Vénesse, on regarde avec Désir Vénesse pour nous connaître est-ce que comment ça y est dans titre qui vient à la Tibonite pour matin là, ça gagne comme information. Même je tourne à regarder comment ça y est dans Saint-Marc avec Daniel Daniel, dans Gonaïve avec Mackenzie, lui, en Noalé, avec Monsieur Jean. Toujours dit là, et Haïti par Port-au-Prince seulement, et c'est tout 10 départements géographiques paysans. Ça veut dire, fun qu'on est, comment ça y est dans la ville provinciaux. Désir Vénesse, bonjour, comment ça y est? Bonjour Blaise, bonjour Jean-William Ferré, bonjour à tous les auditeurs qui branchent Radio Méga 4.4 Dino Latin. C'est toujours un plaisir pour informer au Sacré comme information sur Petite Rivière de la Tibonite, ça qui domine l'actualité pendant tout le commencement de la semaine, parce que c'est dans le week-end qui se passe. Et la Richeur est rentrée la caille au Grand Isnal, il y aurait les Bakloubaka, et nous avions mini et kidnappé aller la caille à ici, nous avons demandé $500,000 américains pour nous négocier à travers pour $200,000 américains. Ailleurs, nous avons pu et nous sommes allés, qui était $200,000 américains qui ont été négociés avec la Richeyo. Et malheureusement, ils laguent et Ougan, ils ont kidnappé trois autres monde qui ont voulu l'argent aller. Ça, ils laguent, ils ont tiré la Tibonite depuis hier. Et qui la cause direction départementale police nationale d'Haïti dans la Tibonite après acte de situation de la Tibonite qui commence à détériorer. Et depuis hier, commission qui était créée pour la paix à entendre pour gagner un convoi qui vient augmenter l'effectif des policiers qui utilisent la Tibonite. Dans ce sens, c'est une zone qui est pratiquement et depuis plus de 4 années, question insécurité, c'est toujours et bandit, hasard illégal, c'est eux qui font la loi. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui étaient toujours à exécuter le mandat que j'ai dû émettre pour aller et chercher des clients qui pour des plaintes dans le tribunal de fait de la Tibonite, dans les aucun problème entre eux. Il y a un problème qui n'était pas fait tout le temps, nous avons dénoncé, bien, je dis en situation, et l'idée passée qui la cause en pile de ces minutes de la Tibonite à le bien qui est en violation, pas épadé pour nous communiquer. Côte à côte, toujours dire le journal là, qui sont situés pour ne pas évader, les menaces avec situation cela, et qui est manchette dans le meilleur pour. Désir Vénesse? À quel état central, il y a eu. Blaise? T'as avancé, oui, mais t'as avancé. Oui, dans la situation qui a évolué surtout sur Tirivière la Tibonite, là, nous devons qu'il n'y ait pas Biancourt, Verrette, La Chapelle, à Cap-Pourel, citoyens ici là, qui collectent ensemble dans des brigades pour chercher justice pour être. C'est pour ça qu'ils demandent avec la police, surtout directeur départemental de la police, là, pour prendre acte des situations pour augmenter l'effectif et puis pour qu'il puisse pas être fait dans la zone ça, pour épargner la population qui peut être plagué des bras balancés et surtout qu'on ait ces jardins qui ont fait dans la zone ça, question. Actes qui permettent que vous parlez de nous et pour arroser les jardins. C'est très action que vous faites ou bien escompte qui a le plus pour capter l'argent qui la vie au calme. On s'est Désir Vénesse, si vous êtes là, si vous êtes prêt à Pierre pour Radio Méga. Désir Vénesse, Désir Blaise. Avant d'aller, on nous rappeler pour auditoire Journal Méga Matin, situation ça par rapport avec Ougan ça.
qui les mêmes à côté que bandit kidnappé alors la fois dernière et il a libéré moun et il a kembé monsieur. On nous rappelle aussi toi l'information non. Oui, il était pour kidnapper Ougan relé Isnal, qui est un nom qui relé Takoulobaka, les nos zones qui relé Tiep dirigé la Tibonite et il était kidnappé monsieur Lacaille. Pour information dans Lacaille monsieur qui a kidnappé, le prend machine qu'il était gagné, il prend paquet d'objets qu'il était gardé dans Lacaille et bien dans négociation famille était gagné à Kerachère, il demandé $500,000 américains. Famille a été négocié avec eux et pour $200,000 hier je portais $200,000 aller et bien ils ont kidnappé trois autres monde qui déposaient et $200,000 aller la négociation que ils ont gagné avec la victoire ils ont encore pour et récupérer trois monde qui ont kidnappé eux et bien ils ont demandé pour $200,000 américains encore dans la négociation première ils ont été payés $16,000 et bien et monsieur dit ça c'est monnaie pour ça c'est monnaie pour le boîte de l'eau et dire et situation compliqué ce qui vient là. Si je comprends bien, si ça veut dire, Andy Ougan qui n'a même monsieur, et puis il y a trois autres qui t'a bouté là, qui n'a même qui fait 4 monde n'a même monsieur. C'est ça? Ok, vous entendez la bien? Oui, je t'adore là. Moi, je dis comme ça, si je comprends bien, et si auditeur la comprend bien, gen ou gang qui nan men monsieur yo et gen trois l'autre monde qui t'a porté l'argent OK monsieur tout Québec qui fait au total yo libéré ou gang yo libéré ou gang et puis Québec trois monde yo OK quand là c'est trois monde qui nan men monsieur yo qui nan men monsieur yo trois monde ça li mélanger fille à garçon mais trois garçons mais trois filles et gen yon fille parmi yo gen yon jeune garçon avec un personnage d'accord merci à vous les Yvenais c'est un plaisir. Voilà, c'était avec nous Désir Venestre. Ça veut dire situation pas seulement dans Port-au-Prince Zamim et dans toute ville provinciale tout, c'est même situation question za kidnapping, question za criminalité. On nous aller nous avec Daniel. On garde ici nous d'ajoute Daniel Daniel hein, Saint-Marc, Daniel Daniel et Toza et frère qui hein, frère moi même j'ai tout l'autre monsieur yo. On garde ici nous d'ajoute Daniel dans Saint-Marc puisque mon yo dans Saint-Marc a besoin qu'on ait ça qui a passé. Ville Saint-Marc, Daniel, qui lui-même, t'as dû nous commencer à aller dans Saint-Marc, même Jean, non? Gonaïve, pour nous connaître ce qui a passé. Jean, toujours dit, Daniel Frem, tout le temps, qui toujours avec nous. Et comment ça y est, matin? Daniel, bonjour, comment ça y est? Bonjour Blaise, bonjour tout le monde qui a écouté Radio Méga, mais matin, très content, ensemble avec vous, pour nous permettre. Ben, auditoire Radio Méga, bon, il découvre ça y est, au niveau, c'est Marc, on dit dans ce Marc, c'est un Saint-Marc qui est soleil là, il a pétaillé Banda pour lever souci de l'issage d'argent constaté, ben, gagné un pile d'activité au même qui déjà reprend dans la cité, par exemple, vous constatez qu'il y a un élève qui, tout à tout, a pétrin, chimé l'école pour matin, marché communal là, on constate également dans le marché de l'église, il y a un marchand qui, je dis encore, ben, sorti tout partout pour capable aller garder comment la vie aille pour journée. Ben, en termes d'information, le KPC est partagé avec auditoire Radio Méga. Ben, connaît, ça a gagné plusieurs temps dans le niveau cité Nissa et Sagéa. Bon, on a dit département la Tibonite là, la vallée à paysan yo, continuer à faire face côté pas gagné de l'eau. Au travail en pile côté dans vallée la Tibonite là je dis à Mounio yo pas qu'on avec qui saint pour yo avré yo par rapport pas gagner de l'eau pas gagner grève au cap travail et connaît gagné un nouveau directeur qui prend tête organisme développement vallée on a parlé de ODVA ben France Jean-Marie lui-même qui promet nan niveau le capable ben lui a fait tout ça qui dépend de lui pour aider paysan yo dans vallée à jeune le donc il était pour nous regarder comment ça pralier mais moun yo nan département la Tibonite là yo continue à faire face avec une situation difficile par rapport je dis yo pas qu'à travailler jamais. Organisation citoyenne pour l'autre Haïti qui c'est au CNH lancé en Genève lancé pour jeudi vendredi à la de jeunes informations hier jeudi hein et ça de jeunes informations hier puis jeudi vendredi à la sous question doit prisonnier en faveur plusieurs dizaines policiers au CNH a dit au prend initiative ça a parti constat maltraitance mauvais traitement que ouais que mes policiers bas prisonniers en dehors centre carcéral yo pendant yo parler de acte détenu yo tout faut qu'on est prêt à parler avec détenu yo pour yo qu'on ait droit yo tout en dedans prison hein, qui comportement très gagné parole qui dit à côté Camille Oxius nous invité nous écouter là donc c'est une formation qui a fait sous droit détenu donc ça c'est une formation qui fait avec appui le PNUD et dans cadre projet amélioration
et de l'accès aux droits et à la justice. Donc c'est un projet qui vient appuyer PNUD. Donc au CNH, est arrivé implanter projet ça. C'est par rapport à un ensemble de problèmes nous constatons détenus au gagnant. Mais tout gagnant relation qui existait entre policiers et détenus. Et détenus ont gagné droit. Donc au niveau au CNH, nous dit c'est pas parce que les gens sont détenus qu'ils pas gagné droit. Et parfois, policiers ils ont gagné des comportements envers détenus et détenus ont gagné des comportements envers policiers tout qui pas normal. Et c'est pour ça. Dans un projet ça, non seulement nous faisons formation pour policiers pour connaître droit détenu, mais en l'autre bord tout, nous faisons sensibilisation bon côté détenu pour connaître droit et devoir. Donc c'est dans respect yon pour l'autre, nous pensons que la société est capable de bien avancer. Et c'est pour ça que nous rencontrer avec la presse pour vulgariser le projet hein, et faire en sorte que les policiers autour comprennent la nécessité pour avoir un comportement qui est acceptable envers les détenus. Même gens tout nous demander les détenus pour avoir un comportement qui est acceptable envers les policiers. Nous faisons formation par fréquence. Alors, projet A, nous étonnons sur quoi des bouquets, Akaye, Carrefour et Cornillon. Donc là, pour l'instant, nous faisons formation ça là, mais nous avons l'autre formation, nous continuons à faire toujours. Il faut nous rappeler, ce n'est pas la première formation nous faisons dans ce sens-là. Et l'année dernière, nous avons formé plus de 80 policiers dans le département du Sud. Et cette fois-ci, nous sommes dans l'ouest du pays. Parce que le plus souvent, c'est l'incompréhension qui toujours gagne et beaucoup de détenus. Et parfois, tous les policiers travaillent dans des conditions qui sont anormales. Et nous-mêmes, nous disons, dans le cadre du projet, ça, nous pas seulement parler pour question de droits détenus, mais nous parler tout pour droits policiers. Parce que lorsque nous parlons de droit au logement n'est pas seulement pour détenus. Li là pour policiers et tout. Et c'est ça qui fait gagner des commissariats, gagner des prisons. Nous pas seulement faire intervention yo en faveur détenus, mais nous faire tout pour policiers. Lorsque nous arrivons dans un commissariat, nous arrivons dans une prison, nous n'avons pas gagné un bloc sanitaire qui est acceptable pour les policiers, nous faisons. Lorsque nous n'est pas acceptable pour détenus, nous faisons. Donc, dans quatre projets, ça, le PNUD li finance nous. Donc, nous portons appui non seulement à détenus, mais nous portons appui à policiers tout. Organisation citoyenne pour l'autre Haïti rend public de numéro qui est disponible pour assister citoyens qui victimes d'actes de violence pour être capable de faire assistance. Parmi les numéros, ça a 2943 2323 2943 2323 pour tout le monde qui a besoin d'assistance. L'organisation citoyenne a mis les numéros ça disponible d'après directrice du programme au CNH Emmanuela Elasco qui fait connaître tous victimes qui ont besoin de support psychologique. N'a toujours été avec l'organisation citoyenne, mais fois ça, c'est sur un autre dossier. N'a pas retourné avec Camille Oxius, qui parlait sur dossier grève là, qui était gagné, dans le secteur judiciaire, ici, bon côté greffier, yo. Organisation citoyenne pour l'autre Haïti, ça, les décisions qui prend pour lever et grève greffier, yo. Et c'est qui ont souhaité aux jeunes une solution durable pour grève là, pareil, commencer encore. Camille Oxius a rappelé ces grèves, ça a toujours gagné un gros impact sur détenus, yo. Ça qui gonflait chiffre, phénomène détention préventive prolongée. On écoutait l'autre fois Camille Oxius. Toujours, alors, dans le même cas de bataille, ça nous dit, la bataille contre la détention est illégale ou est arbitraire. Ça veut dire, en aucun cas, la justice pas à de camper. Et nous avons toujours demandé à l'autorité concernée pour être capable de joindre une solution dans la crise qui a passé là. Donc, et c'est plusieurs fois. Chaque fois, les greffiers ont fait greffe pendant un mois, deux mois, et puis après ça, ils ont trouvé une solution. Et cette fois-ci, nous souhaitons une solution aujourd'hui. Ce n'est pas une solution à court terme, mais c'est une solution qui a une durabilité. Côté, après deux mois, nous ne pouvons pas greffier en greffe encore. Nous souhaitons gagner un site à parler qui fait une solution, c'est une solution durable. Et ça, après rentrer tout dans la bataille contre détention illégale et arbitraire là, parce que si la police a arrêté tous les jours et puis la justice dysfonctionnelle n'a pas compris bataille contre détention illégale et arbitraire là, il n'y a pas besoin de carpet. Donc nous bien contents d'avoir une solution qui joigne, mais nous souhaitons c'est une solution durable, ce n'est pas une solution cosmétique. Voilà.
ça c'est déclaration maître Camille Oxius qui t'a parlé concernant grève ça qui t'es gagné en 18 heures juridiction par rapport avec mouvement grève et affaire et ben qui finalement grève ça qui levé non notre remerciement association nationale greffier haïtien métier dehors côté que ben ensemble alors association remercier greffier et commis paquet dans 18 heures juridiction dans pays et dans coup république dans qui était sacrifié yo malgré difficultés que yo t'ai rencontré pour t'es capable contribuer avec réussite grève qui est entamée depuis la date qui était 12 avril 2022 passé. Association présente également remerciement avec association magistrat yo tant qu'au Anama, APM, Renama, Comad et toute l'autre une association qui était en collaboration une façon bien l'autre pour être capable de mener bataille ça que greffier et puis commis paquet yo pour faire valoir droit yo dans système judiciaire haïtien. Toutefois, Anna Gavle rappeler avec greffier et commis paquet yo que yo levé partiellement hein pour un petit bout de temps partiellement grève ça qui était commencé le depuis dans mois d'avril là, on grève qui levé pendant pour mois juin. Un délai qui yo même yo bail avec et autorité dans niveau la justice. Si rien pas fait, gens qui prévoient question distribution 4 des billets, suivant déclaration ministre Berto Dorsey, yo risque reprendre encore mouvement grève là en dedans 18 juridiction yo en dans pays. C'est ça qui dit bon côté maître Martin Aîné qui c'est président association nationale greffier haïtien yo. L'autre dossier dans le journal la ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancé hier jeudi en deux journées atelier sous livre unique qui visait création programme qui permet essentiellement fait avec un seul qualité livre ministère de l'Éducation nationale Anis Maniga qui était procédé à convertir atelier ça en fait qu'une initiative ça permet plus justice sociale et puis accès à l'éducation sans force côté dans pays pour titulaire ministère de l'Éducation nationale l'action s'il a traduit volonté gouvernement place ça pour bail ti moun yo même chance dans affaire éducation côté Anis Maniga ça, l'idée ça, il va commencer en 2022. Et c'est pas Haïti seulement qui a nécessité pour que yo discute et mette en œuvre un projet comme ça. Qui ça, l'événement là capable de sembler à la fois avec triple objectif que le gain, objectif pédagogique didactique, nous parlons de souligner, objectif soulager parents et non souci tout efficacité des dépenses publiques. Et troisièmement, c'est un plus gros élément atelier en tout, c'est discuter ce qui gens livrent lui-même, les organiser pour que ensemble compétences à chercher, il n'y a pas de graines, il n'y a pas de graines gauche, tout cas retrouver, non pas seulement dans des chapitres séparés, gens. En pile expert parlé, question transversalité, dans toute discipline, pour que nous arrivions à former citoyens que nous tous qui l'a, sur leur responsabilité nous gagnons, nous mettons en œuvre des différents projets. Premier cycle, l'école fondamentale. Cette expérience-là que nous voulons reprendre et continuer. Nos partenariats public-privé, avec non seulement le cadrage ministère fait dans le cadre de forme curriculum, côté direction technique a continué à réfléchir, côté que dans l'esprit partenariat public-privé, ministère dans fin semaine ça l'a publié ce qu'il a annoncé depuis très longtemps, commission nationale curriculum, parce que c'est base. C'est élément cadrage, travail qu'a fait de n'a parlé de manuel scolaire, tout type de manuel scolaire. Naturellement, il y a des gens qui ont dit qu'ils sont 13 ans retard. Parce que sous côté, quand ils ça fait 2 ans, ça a été unique, pratiquement c'est son tablette lié. Il y a 3 millions de gens dans le système scolaire. Là. Tout le monde muni gagne déjà équivalent de ça qui est unique à travers une tablette. En attendant nous arriver là, livre unique, dans Jean, ministère a réfléchi sur la réforme curriculum, non, à travers réflexion déjà qui est très avancée sur le cadre d'orientation curriculaire, répond à une demande sociale dans un premier temps.
c'est pas seulement une décision politique ni une décision administrative. C'est une grande demande sociale pour que nous bagons l'école à plusieurs vitesses. Avec un souci de justice sociale, pour l'école, à suspendre l'école à plusieurs vitesses, mais il faut l'accessible et faut l'équitable. Je pense que nous avons une obligation collective pour que nous offrions par an. Et là, je compte, je suis capable de compter sur le professionnalisme, maison d'édition, pour que nous passions de 17 à un nombre qui permette véritablement que nous soulager par an. Et nous soulager l'État. Nesmi Maniga, ministre éducation nationale et formation professionnelle. Antilé Silam, qui permet pour recueillir information à différents participants yo, dans l'idée pour construire ensemble approche vision livre unique. Là, d'après directrice curriculum à qualité dans le ministère, il y a plusieurs points qui prennent sous table discussion yo, parmi les organisations contenu qui prennent dans le livre unique. Là. Après activité ça, après elle gagne un cahier des charges pour éditer yo, toujours d'après majorité Telusma qui était dans le micro Andy Jean-Willer Sévère. Atelier ça va permettre nous recueillir des informations pour que nous co-construit ensemble approche vision nous t'a dû gagner pour Haïti livre unique. Donc d'abord une bagaille qui est important, c'est que dans un premier temps, à bien on s'annoure les partages d'expérience. Pour qui ça? Parce que nous avons un ensemble d'éditeurs qui déjà lancé dans ce chantier ça. Et c'est peut-être ça nous penser que expérience, yo, parler avec, partager avec nous et difficultés toutes les rencontrer, puis approche aux gens, concevoir pour permettre nous aller vers une vision qui est plus harmonieuse. Donc dans ce sens ça, comme ministre la Sodil, dit a doit aider nous tous. Gantan gagner ensemble d'éléments sur la question socle unique de compétences, de savoir et de connaissances. Après partage d'expérience, on est capable de commencer par quelques éléments de cadrage par rapport justement au ensemble thématique qui vient pour porter sous, par exemple, question choix linguistique là, question organisation, regroupement, organisation des disciplines ou encore des matières, et aussi et question de guide de progression, comment justement être capable d'organiser contenu que nous allons mettre dans le livre unique là. Et en dernier lieu, nous avons bien la question de l'évaluation qui est un bagage qui est très important et qui pourrait permettre que nous capables bien construire ensemble un cadre de d'élaboration du livre unique ou encore un cahier de charges qui pourrait permettre que éditorio gagne éléments de cadrage ça yo. Et comme ministre a annoncé à la fin de l'atelier, l'association Machine de Mobile Chaîne Massio dénoncé magistrat Port-au-Prince là qui a fait yo monter les ciels pas dans chaîne masse là, mais rien voulait au quitter place à qui c'est ciel côté au chercher la vie yo. Mesdames yo qui estime yo pas fait fatra mandé secou ministère commerce ministère femme pour aider yo dans situation si là côté Janine Hippolyte qui c'est porte-parole association. Nous prenons tout côté intervention qui dans micro Jean-Philippe Massé. Problème n'a confronté sous place là. Chaque fois nous mettons mobilio, il est 2h du matin magistrat passé li levé yo, la lave yo. N'a le payer dans mairie nous reprend yo encore, li retourner reprend yo encore. Mercredi bonzon midi, gèkè pas combien agent qui passait avec uniforme mairie sous yo. Yo filmé mobilio, yo dit que dimanche soir il a passé à craser tout mobilio voyé dans barre à jeter. C'est peut-être ça jodi a nous inviter la presse pour nous demander Luxon janvier ça l'a dit avec nous parce que c'est chaud mais ça nous gagne pour nous dégager. Nous pas calme Matisse, nous pas calme la ville. C'est chaud mais ça nous gagne l'école petite nous pour nous payer. Nous gagne la banque, nous gagne bureau pour nous payer, nous gagne l'argent escompte non mais nous faut que nous payer yo. Si magistrat lève nous côté nous gagne pour nous manger. Nous pas gagne aucun côté pour nous manger non. C'est pour ministre là, nous t'invite ministre, nous devons l'aide by ministre là. N'a juste passé message à pour ministre, faut parler avec magistrat Lixon janvier pour lui bon nous aller champ de masse là parce que nous pas capable. Bon, li kon bon nous avertissement kon vinn di nous ça, mais kou n'a pas dit nous rien. C'est n'est pas parce nous wè moun yo a passé à filmer mobile, nous pas konn ça k'ap fait.
Nous te baille $600 pour carnaval. Décembre, nous te baille $700. Mais qui raison même? Et c'est l'argent que nous baille. Bon, yo pas dit nous, yo pas mandé nous l'argent, yo pas dit nous. Sept mois, yo passé au film immobilier et aller. Mais nous connais habitué payer la mairie ou bien? Nous te paye, ça que vous demandez nous participation était pour carnaval. Okay. Vous demandez nous participation. Et qui ça dit nous même problème ça? Bon, nous confrontons problème là depuis les magistrats l'élection de janvier. Parce que sous Yuri compte toujours parler avec nous. Il compte toujours mon week-end. Il compte toujours quitter nous là. Les mois de décembre, les fêtes, activités sous Yuri, nous toujours là. Mobile crème pas fait saleté. Mobile crème pas fait saleté. Qui raison même ba nous qui fait pas minorité? Bon, nous pas compte qui raison, c'est lik pour mon raison. Là, nous même nous ne savons pas qui ça nous fait. C'est lui qui nous dit qui ça nous fait. Non, pour qui ça n'a pas demandé même. N'a pas demandé pour magistrat, jeune en tête avec nous. Si lui pas voulait nous, dans l'espace, lui pas voulait nous, pour le bon nous espace pour nous chita. Parce que nous pas qu'à quitter chaud masse là. C'est là nous avons activité, nous c'est là nous pour nous fonctionner. Imaginons bien où c'est des jeunes qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas lever ou pas lever léger. Ou qui petit, ou qui caille pour payer ou pas mari. Ou imaginez comment bagarre la difficile. Et puis pour magistrat joindre ou occasion pour le dire nous la craser business à défriser marchandise là-dedans ou prend copon ou prend cobescout. Nous connaissons nous rappelle mon nom nous te en bas la ville là, c'est situation que nous chambre. Et situation que nous bon mais madame ça et Matisson te rété. Écoute zam qui met elle dehors. Malgré dans dehors. Elle gagne mobile là pour pas être là craser elle. Est-ce qu'elle pas connait nous avertissement déjà? Il pas jamais fait nous avertissement, c'est nèg vini craser à la veille. Nous pas payer non. Non. Est-ce que nous pas bon façon nous capable de nous mandé l'occasion ça pas jamais veut parler avec nous. Non. Nous t'ai invité ministre d'état dit la parler avec. Nous demandé premier ministre là avec. N'a demandé premier ministre pour le fond chita râler les oreilles l'élection de janvier pour nous pour le bon nous repos. Nous c'est combien marchand qui environ dans. Nous en pile marchand. Nous en pile marchand. Nous en pile marchand et l'autre marchand qui pas connecte pour venir. On a qui des jours ban nous là. Les ban nous dimanche. Pour nous déserter nous. Est-ce que nous non, nous pas décider lever. Faut client ton avec nous. Parce que nous ces femmes, nous gagne place pour notre société. Nous sommes dans l'élection. Non. Nous gagne place pour notre société, elle doit pas là avec nous. Qui forme d'entente ou besoin magistrat. Nous besoin pour magistrat en ton avec pour le bon mieux côté pour fonctionner chambre ça me pas ça. Et bien non ça là nous pas dans chômage. Non. Une fois qu'elle va bon côté me bagro que côté me braler côté me braler pour me ba côté pour me mettre combien scoop me prend pour faire payer avant time game t'a travail me révoquer notre travail moi me bagro que côté me braler et c'est le vieux mobile là c'est pour me bagner l'autre c'est pour encore. Et voilà, ça c'est Voix Diverses Marchandes qui regroupe une association marchande mobile chez Mas. Côté dénoncé magistrat à Port-au-Prince en luxon de janvier, au dit qu'il a fait monter le ciel pas d'eau sous chez Mas. Mairie a voulu quitter Plastan qui c'est celle côté au cas chercher la vie. Mesdames, qui estimez, il n'a pas fait fatra, mandé ses coups ministère. Inscrit, ministère commerce qui est inscrit, ministère conditions de formation de la femme, surtout comme on est en pile là, c'est femme, pour porter au secours, Janine Hippolyte, c'est lui-même qui t'a parlé dans nos associations marchandes mobiles, Chad Massio. Action nationale contre violation Douamoun, c'est une nouvelle organisation Douamoun qui fait présentation officielle à Yajudian. Mission organisation ça, c'est défendre Douamoun en particulier, droit détenu pour nous dire prisonniers. D'après Daniel Simon, une dirige organisation ça, qui était dans le micro, Josier Bellamour. NTDH, il y a une cellule avocat qui a aidé détenu, moun yo violé droit yo. Nous connaissons frais judiciaires yo très coûteux. Il n'y a pas de possibilité de capacité économique pour engager un cabinet d'avocats. Mais nous-mêmes, au niveau ANCVDH, nous assistons. Nous voulons aider. Nous avons un programme de travail sur l'action, un programme d'éducation à la citoyenneté, côté nous parlons dans l'école, dans l'université, pour nous capables d'aider les gens à prendre droit et à prendre devoir, conformément pour défendre droit. Parce que, en Haïti, il y a plus de droits civils et politiques, si ça reconnaît. Mais il y a un droit au logement, c'est un droit aussi. Il va connaître qu'il y a des droits pour gagner une nourriture. Il y a un paquet de droits qu'il va connaître. Et chaque jour, les droits sont violés, ils sont banalisés. Chaque jour, les droits sont violés. Il va connaître qui côté pour frapper. Il va connaître qui c'est pour avouer. L'État même qui l'a qui pour protéger les droits, encore nous jouons l'État qui a
violer droit moun yo chaque jour. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire public là. Connais-nous là, connais que moun ki pa gen voix yo bon moun ki a fait voix yo aller plus loin côté que yo pas espérer, côté que yo pas capable faire.